Bonjour les amis, c'est toujours un agréable plaisir de partager ce petit moment fabuleux avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une astuce très intéressante. Tu vas faire briller ta vie dans la société où tu vis, où tu te trouves. Tu peux briller. Tu peux goûter la richesse du pays où tu te trouves. Que ce soit en Afrique, que ce soit en France, que ce soit en Angleterre, en Chine, aux États-Unis, tu peux goûter aussi leur richesse. Les amis, Dieu a mis tout dans la nature. Tu vas briller et ton étoile va briller. Ce sont des secrets que tu dois connaître parce que tu es l'enfant de la tradition et tu es une femme. Et tu es une femme, ma sœur. Tu dois briller. Dieu a donné le pouvoir à la femme. Dieu a donné sa confiance à la femme. Alors tu dois briller où tu te trouves, mon frère. Toi qui me regardes. Mes rituels ne sont pas que pour les femmes, pour ne pas que je vexe les hommes. C'est parce que je suis une femme que je favorise mes rituels pour les femmes. Mais je fais le travail pour tout le monde. Écoutez-moi très bien. Vous avez besoin de 27 graines de riz, 27 graines de riz. Et je vous dis que vous allez briller là où vous vous trouvez, dans le pays où vous vous trouvez. Alors vous allez acheter un seau neuf. Il faut que le seau soit neuf. Posez le seau juste derrière votre chambre. Vous avez besoin de la racine, de trois racines. On appelle ça la racine de Théba. La racine de Théba comporte trois grandes racines, trois grands arbres, le T, le B et le A. C'est sacré. On ne raconte pas ça à tout le monde en public. Tu vas prendre les 27 graines de riz et tu vas faire un cercle autour de ton lit. Où tu dors avec ton mari. Si tu es marié, il faut informer ton mari parce que lui aussi il va profiter de ça. C'est pas méchant du tout. Et lorsque tu vas trouver les trois plantes, c'est vrai que c'est abrégé, mais quand tu dis Teba en Ashanti, les gens connaissent. Ceux qui sont sérieux vont vous dire. Mais comme on ne dit pas à tout le monde que je connais, c'est ça. Sinon, vous pouvez trouver ça si vous êtes au Ghana. C'est la racine la plus puissante de toutes parce qu'elle comporte trois grandes racines pour briller dans n'importe quelle société. Ça veut dire que vous rentrez dans une banque à la BM quoi ou BM qui vous donnez. C'est ma grand-mère qui m'a donné ça. C'est des secrets que vous devez avoir parce que vous êtes les enfants de la tradition. Vous ne pouvez pas rentrer dans un pays et puis c'est vous on emprisonne. Vous ne pouvez pas être dans un pays étranger et puis c'est vous on vous donne la petite place. C'est vous qui nettoyez la chaise des autres. Non, c'est pas cette place-là la tradition veut pour vous. Réveillez-vous, on va discuter les amis parce que la vérité se trouve dans la nature. Vous ne pouvez pas être dans un pays qui n'est pas le vôtre et c'est vous qui avez les dettes de ce pays. Non, non, vous êtes venu pour travailler pour ce pays. Vous devez aider le pays à avancer et puis vous-même, vous devez grossir. Mais si vous maigrissez, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Ma soeur, quand tu vas avoir les 27 graines de riz, il faut mettre ça autour de ton lit où tu dors. Parce que dans ton lit où tu dors, il y a un mystère qui se passe quand tu dors. Les anges du ciel viennent te bénir, les anges du ciel viennent te bénir pour attirer l'attention des bénédictions célestes là où tu te trouves, dans ton pays où tu vis. Comment tu peux être dans ton pays où tu vis? Il y a la richesse, les gens grossissent, les gens sont gros, ils ont l'argent, ils sont dans des voitures, ils ont des maisons. Mais toi, l'enfant du pays, tu n'as même pas un centime. Tu n'as même pas un centime, mon frère. Tu as besoin de la racine de Théba. Les trois racines, T, B, A. La racine de Théba,
C'est ça seul qui va te faire sortir de là où tu te trouves. Tu ne peux pas être né en France, grandi en France. La France est riche, il y a l'argent ici. Les gens se débattent, les gens sont en train de manger, ils grossissent. Et puis toi, tu maigris. Tu as besoin de la racine de tes bas, mon frère, pour briller aussi. Pour briller. Le paradis, là, ça commence sur terre. Hein? Le paradis, ça commence sur terre. Quand je parle avec mes grands-parents, ma grand-mère, quand elle est en train de me parler, elle me dit d'abord, ma fille, tu dois manger ici d'abord. C'est comme ça. Vous devez manger ici d'abord. Dans votre pays où vous vous trouvez, s'il y a la richesse, vous devez goûter. Ce sont les secrets que vous devez connaître. Si vous ne mangez pas la richesse du pays où vous vous trouvez, il y a un problème. Il y a un blocage. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Vous devez vous réveiller, les amis. Vous devez vous réveiller. La justice ne peut pas venir vous saluer tous les jours. Les dettes ne peuvent pas venir vous saluer tous les jours. Ce que vous entreprenez, vous mettez l'argent et votre argent reste dedans. Et en plus, votre argent est resté dedans. Vous avez maintenant des dettes et puis maintenant vous avez des problèmes. Même pour payer même votre loyer, c'est problème. Non, la tradition n'a pas dit ça pour vous. Si vous ne savez pas, je vais vous dire, les plantes qui sont dans la nature, que vos parents ont utilisées, vos grands-parents, les secrets qu'ils ont donnés, c'est ça que je suis en train de vous livrer et c'est la vérité. Ma soeur, si tu as couru chez les gens, ils t'ont trompé, moi je te dis la vérité, tu n'as pas besoin de statue. Tu n'as pas besoin d'immoler un animal. Dieu a mis de la vérité que dans la nature. Tu vas prendre et puis tu vas te laver. Et puis tu vas voir la vérité devant toi. Déjà, tu vas te... Quand tu vas finir de te laver, mini en blanc, ce n'est pas la bouche. Au bout d'un mois, tu vas commencer à comprendre. Au bout de quelques jours, tu vas commencer à voir. Dieu va t'ouvrir les portes du pays où tu te trouves. Ceux qui t'ont jamais appelé, ils vont t'appeler. Ceux qui t'ont oublié, ils vont se souvenir de toi. Ça veut dire que la porte a commencé à s'ouvrir. On commence à te repérer. À partir de là, quand tu vas rentrer quelque part, ils vont te donner le premier tabouret. Il faut prendre le tabouret là, tu vas t'asseoir. C'est pas trop grand. Quand tu veux t'asseoir, peut-être tu vas tomber. Non, non. Assis-toi d'abord. Après, ils vont trouver que le tabouret là, c'est trop petit. Ils vont dire, bon, il faut prendre la chaise. Quand on te donne la chaise, ils vont dire, non, la chaise là même, c'est petit. Non, le fauteuil serait mieux dedans. On te donne la chaise là, ma chère. Fauteuil est dedans, ma soeur, tu t'assois. Maintenant, ils vont dire, ah, il fait trop chaud ici, on va mettre la clim. Ce sont des secrets que ma grand-mère m'a donné, ce n'est pas la bouche. Vous êtes les enfants de la tradition et vous devez les avoir. L'Afrique est loin, c'est ça, c'est loin. Les bagages là sont lourds pour envoyer, c'est ça. Sinon, si l'Afrique était tout près ici, derrière, je prenais le métro, j'arrivais là. On allait avoir beaucoup de bagages, sinon... Ce qu'on a là, on va partager. Vous allez manger le fruit du pays où vous êtes né. En France, Dieu a béni la France. Vous allez goûter aussi. En Angleterre, Dieu a béni l'Angleterre. Vous allez bouffer. Voilà. Aux États-Unis, l'argent est beaucoup là-bas. Vous allez goûter aussi. Parce que si c'est aller échec en échec, votre vie ne peut pas briller. Quand vous allez finir de vous laver, il n'y a rien. Si c'est le travail, tu vas rentrer là-bas. Ils vont te donner. Ils vont te donner travail là. Si c'est maison, tu cherches, ils vont te donner la maison. Ce que je dis là, c'est avec les témoignages. Je ne suis pas en train de vous vendre du rêve. Ce que je dis, c'est avec les témoignages. Hey! S'ils t'ont donné la maison, c'est ce que tu veux. Sinon, toi-même, tu veux créer ton entreprise. Tu veux briller dans la société. Tu vas travailler, tu vas créer ton entreprise, ça va marcher. La plante de Théba, il n'y a rien. C'est ma grand-mère qui m'a montré tout ça. Si cette vidéo vous a plu, il n'y a pas de raison. Il vous suffit de vous lever,